Bonjour, mon nom est Vinko et de Techno Vinko. Aujourd'hui, je vais faire un petit clip sur l'installation du Fire Stick de Amazon avec la fonctionnalité de Belfib. Fait que comme ça, vous allez être capable de pouvoir remplacer, mettons, un récepteur dans votre maison et pouvoir l'utiliser comme un deuxième récepteur. Dans la boîte, vous voyez ici un Amazon Fire Stick. Vous pouvez acheter ça sur Amazon, vous pouvez acheter ça sur Best Buy, vous pouvez acheter ça, mettons, sur Bureau en gros, la source. C'est disponible pas mal partout. On parle d'un prix plus ou moins à peu près de 49,99. Sauf que des fois, ça tombe en spécial sur Amazon, puis c'est comme le Black Friday ou si on parle de Boxing Day, tout ça, là, ils peuvent tomber, mettons, à 28 et quelques poussières. Fait que si vous regardez ici, je vais vous montrer ce qui va être le contenu, en fin de compte, de la boîte du Fire Stick. Vous avez un dongle ici. On va sortir toutes les choses ici. Vous avez un fil qui est pour le courant électrique. Vous avez un dongle ici HDMI qui permet justement de brancher dans des téléviseurs où ce que peut-être le port HDMI n'est pas aussi accessible. Fait que de cette façon-là, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité pour pouvoir brancher le périphérique même. Après ça, dans le kit, on a une manette ici. La manette du Fire Stick qui permet de faire justement la communication avec justement le Fire Stick pour faire un peu les mêmes fonctionnalités qu'un récepteur. Vous avez ça ici. On a aussi à l'intérieur deux batteries pour pouvoir faire fonctionner le tout. Et le Fire Stick lui-même qui est justement l'appareil qui remplace le récepteur au complet. Et le petit adapteur USB qui permet de brancher justement le fil USB ici pour aller chercher le courant directement et la ligne alimentée sur le Fire Stick dans le petit port qui est sous le Fire Stick. C'est très important. J'ai personnellement vécu certaines choses. J'avais d'autres fils, un exemple, qui venaient avec le Fire Stick, mais qui n'étaient pas de celle d'Amazon, qui était un petit peu plus petit. Et j'avais affronté certaines problématiques au niveau de courant. Ils me donnaient des erreurs. Je me demandais c'était pourquoi. Fait que c'est pour ça que je vous conseille fortement de prendre toujours le fil qui vient avec la boîte. De cette façon-là, vous êtes sûr que votre périphérique, comme l'Amazon, va avoir assez de courant pour fonctionner comme il faut. Fait qu'oubliez pas, la petite prise HDMI, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser justement pour brancher dans votre téléviseur et c'est de le mettre tout simplement votre télé sur le mode, mettons HDMI 1, HDMI 2 ou HDMI 3, tout dépendant de l'HDMI que vous avez dans votre téléviseur pour pouvoir faire partir le Fire Stick. Fait que voici le contenu du Fire Stick qui va permettre justement d'aller installer l'application Belfib. Et vous avez un paquet d'autres affaires, Netflix, Amazon Prime, Amazon Music, Amazon Vidéo. Il y a des jeux, il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec ça. Fait que ça devient un outil qui est très intéressant puis à un prix qui est vraiment, vraiment raisonnable. Fait que, une autre chose aussi, c'est qu'oubliez pas, vous n'avez même pas besoin d'un téléviseur. Si vous avez, mettons un exemple, un écran d'ordinateur qui a tout simplement un port HDMI, vous branchez tout simplement dans le port HDMI, puis c'est lui qui transforme le tout en étant comme un téléviseur, changer tout ça. Fait que ça a des coûts, on peut trouver ça sur Kijiji, des places comme ça à 29$, des fois des petits téléviseurs, bobons pas chers. Fait que on finit la partie 1, puis après ça, on s'en va sur la télévision, puis je vous montre comment mettre ce petit bijou-là en marche. Merci, à la prochaine étape. Bonjour gang, on est rendu à l'étape de la programmation de soit une carte de crédit ou du paramétrage one-click dans Amazon pour qu'on soit capable d'aller chercher des applications et de pouvoir l'installer sur le Fire Stick. C'est très important de faire cette étape-là. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas capable de mettre d'application. C'est aussi simple que ça. Puis Belfib, si on ne veut pas mettre une carte de crédit dans Amazon parce que vous ne voulez pas faire d'achat ou quoi que ce soit, bien, il y a une façon de le faire avec le paramètre one-click qui va vous permettre justement d'aller pouvoir mettre votre adresse en fin de compte sur votre compte, mais ça l'associer à une carte de crédit. Enfin, je vous montre ici. Vous voyez ici, là, on a créé tantôt notre compte avec une adresse email et avec votre mot de passe. Puis là, ça vous rentre dans votre Amazon. Puis là, c'est là qu'ici, vous allez voir que bonjour, le nom de la personne que vous avez créé. Vous avez une place qui va dire votre compte. Le votre compte, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne un peu ce qu'il y a dans votre compte, vos adresses. C'est très important ici que ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'adresse et d'aller mettre votre adresse de maison avec le code postal et tout ça. Et par la suite, vous allez cliquer ici sur le paramètre OneClick. C'est ici le paramètre OneClick qui va vous permettre justement de pouvoir installer sans, par exemple, mettre de carte de crédit directement. Fait qu'on clique sur le paramètre OneClick. Fait qu'ici, vous voyez,
Une fois que paramètre OneClick est fait, je fais juste cacher mes données personnelles. Mais vous avez ici, vous voyez, d'habitude, ça, c'est à off. Puis là, vous faites juste tout simplement le mettre en on. Puis assurez-vous ici que votre adresse qui est écrite ici, que vous l'avez mis par défaut. Une fois que ça, c'est fait, et ça qui est fait, le tour est joué. Vous allez pouvoir tout simplement, après ça, aller, par exemple, prendre des applications qui sont gratuites et tout ça. Puis si jamais un jour vous voulez louer des films ou quoi que ce soit sur Amazon Vidéo ou quoi que ce soit, vous avez juste à rentrer votre carte de crédit et ça va vous permettre de pouvoir continuer. Fait que la prochaine étape, on s'en va au téléviseur. Bonjour, on est rendu à l'étape de connecter le bidule sur notre télévision. Fait qu'oubliez pas tantôt, c'est que vous aviez, par exemple, le courant électrique avec le Timis Meboot. Vous allez brancher ça tout simplement dans le port que vous voyez ici en dessous, vous avez une petite fente. Juste vérifier parce qu'il y a un côté à ça. Et quand vous allez le brancher à ça ici, ça vous permet de donner du courant électrique à votre Fire Stick. Moi, je vais omettre ça parce que je me suis acheté un autre câble, par exemple ici sur Amazon. Il m'a coûté à peu près une quinzaine de piastres. C'est que je branche à partir d'un port HDMI. Puis je m'en viens brancher mon Fire Stick directement dedans. Fait que ça m'évite d'avoir encore des fils parce qu'on sait, on a tellement de fils aujourd'hui qu'on essaie de réduire le plus possible. Fait que là, vous voyez ici dans ma TV, tu sais, je pourrais le brancher, mais j'aime autant d'y donner un petit peu de lousse. Fait que c'est pour ça qu'avec le dongle, je vais en rebrancher tout simplement dans le port HDMI qui est ici. Par la suite, je m'en viens brancher ça ici. Fait que si vous remarquez, moi j'ai un HDMI 1, j'ai un HDMI 2, j'ai un HDMI 3. Bien, je l'ai branché dans le canal 1. Fait que ça va être important sur votre téléviseur d'aller sur canal 1. Et là, on est rendu à l'étape de pouvoir configurer le Fire Stick en conséquence. Fait que on va regarder au niveau de la télévision ici. Fait que voici sur mon téléviseur. Moi, j'ai un bouton qui est comme Input. D'habitude, vous allez voir ça dessus une manette Input. Mais il y en a d'autres manettes, ça va marquer Input ou Mode vidéo, ou des fois, il y a autre chose. Là. Fait qu'on l'avait installé tantôt sur quel HDMI? On se souvient, c'était sur le HDMI 1. Fait que là, ça va être important. Vous allez tout simplement cliquer sur le Fire Stick, sur le bouton Power ici. Fait qu'en cliquant sur le bouton Power, ça devrait réveiller. Et là, on est rendu à l'étape d'aller configurer notre Fire Stick avec le réseau de la maison Wi-Fi qui va permettre justement de pouvoir aller chercher le contenu. Parce que si Internet n'est pas branché dessus, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu comme un téléphone quand on va brancher, mettons, dire le réseau Bell 1, 2, 3, 4, puis là, on met le mot de passe, puis c'est ça qui nous permet de connecter puis aller avoir du data. Bien, c'est ça qu'on va faire, mais avec le Fire Stick. Fait qu'on regarde ici. Ça, c'est la première page qu'on voit avec le Fire Stick. Fait qu'on va aller tout simplement appuyer. Ils disent ici, vous voyez, en bas, appuyer pour commencer. Fait que c'est le petit bouton qui est juste ici, au milieu. En appuyant ça, vous allez choisir la langue que vous désirez. Fait qu'on va choisir la langue Français-Canada. Fait que quand on va choisir Français-Canada, là, il recherche justement le réseau de Bell. Fait que là, c'est pour ça qu'on voit le signe de Wi-Fi. Moi, ici, chez nous, j'ai un paquet de réseaux. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Moi, j'en ai un qui s'appelle Percov. J'en ai un qui s'appelle Percov externe. Puis j'en ai un autre qui s'appelle Bell Percov. Souvent, là, vous allez voir Bell suivi de 2-3 chiffres. Ça, c'est un petit carré, un collant que le technicien va vous donner à votre installation. Fait que dessus, vous avez le Bell 1, 2, 3, 4, mettons, qui est le nom de votre réseau. Et vous allez avoir en bas un paquet de lettres et de chiffres qui est le code, le mot de passe, en fin de compte, pour accéder au réseau. Fait que c'est très important de mettre les majuscules et les minuscules aux bonnes places parce que si vous vous trompez de un caractère, oubliez ça, ça ne se connecte pas. Fait que là, ici, on va aller choisir mon réseau que tout le monde a choisi. Moi, je vais prendre le Percov parce que Percov est plus performant dans le haut de ma maison. On va aller cliquer dessus. Fait que là, ici, je vais vous montrer, moi, ici, mon mot de passe. De toute façon, ça ne me dérange pas que vous le savez, je le change tout le temps. Fait que c'est important, ici, vous voyez en bas, vous pouvez mettre majuscule, minuscule. Fait qu'on y va tout simplement. On marque, par exemple, arrêtons un peu, juste tasser un petit peu. On va juste tasser un petit peu pour ne pas voir toute ma finition complète du mot de passe. Secret national, pour pas que vous voyez. Fait qu'une fois que le mot de passe est fait, on fait « Se connecter ». Puis le bouton « Se connecter » va faire « Connexion à Percov ». Oh, on voit « Connexion au réseau »,« Connexion réussie ». Ça, ça veut dire que votre Fire Stick est présentement capable de parler avec votre maison.
C'est là qu'on va pouvoir continuer un petit peu plus loin. Vous voyez ici, là, vous avez, j'ai déjà un compte Amazon. Puis ici, c'est que je suis nouveau sur Amazon. Tantôt, nous, on l'a déjà créé, notre compte Amazon, à partir d'un ordinateur. Mais quelqu'un qui n'aurait pas d'ordinateur, il aurait créé son compte à partir du « Je suis nouveau sur Amazon ». Fait qu'on s'en va sur « J'ai déjà un compte ». Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, je vais marquer tout simplement mon adresse et tout ça. Fait que ça ne sera pas bien long. Des.com. Fait que là, vous voyez que moi, je marque mon nom à moi. Mais vous, vous allez marquer, en fin de compte, le courriel que vous, vous avez utilisé justement avec le Amazon pour pouvoir vous connecter à votre compte Amazon. Fait que là, moi ici, là, vous avez la place quand vous faites OK, c'est saisir votre mot de passe Amazon. Puis là, c'est là que moi, je vais mettre mon mot de passe. Fait que là, ça sera pas bien long. J'ai presque fini. Ça sera pas bien long. Une fois que le mot de passe... Bon, une fois que votre mot de passe va être écrit, là, moi, je l'ai masqué, on fait tout simplement dire « s'identifier ». Fait que quand on va faire « s'identifier », fait que là, vous voyez ici, votre Amazon TV Fire Stick est enregistré pour votre nom qui va apparaître. Là, vous pouvez modifier votre compte ou vous pouvez continuer. Fait que là, on fait « continuer » tout simplement. Une fois qu'on continue, il va vous demander si vous voulez enregistrer le mot de passe Wi-Fi sur Amazon au cas où vous l'oubliez. Pourquoi pas? Faites « oui ». Fait que là, ici, votre Fire Stick est conçu pour les enfants aussi et les parents. Vous avez ici un activant sur le côté gauche. Vous avez une place qui dit « Activer le contrôle parental » ou « Aucun contrôle ». Moi, ici, pas de problème. Le monde sont assez grands. Fait qu'on va dire « Aucun contrôle parental ». Fait que là, ils vont préparer la télécommande pour la configuration. Fait que là, votre télécommande, c'est qu'en faisant cette étape-là, elle va permettre de pouvoir ouvrir votre téléviseur. Fait que là, il dit, vous devriez entendre de la musique pendant l'étape suivante. Assurez-vous que le volume sonore n'est pas à zéro, puis continuez. Fait qu'on fait suivant. Fait que là, vous voyez, on entend la télévision avec le petit bruit. Ça veut dire que c'est correct, ça a été enregistré. Là, on peut lever le son qui est ici, dans votre Fire Stick, qui va permettre, là, tu vois, là, il a pris en charge la télévision, puis il sait comment aller utiliser le même code de la télé pour aller... lever et baisser en fin de compte le son. On fait oui tout simplement. La télécommande de votre Fire Stick est maintenant correctement configurée. Ça veut dire que tout est configuré, tout fonctionne, on paye sur OK. Là, il va l'optimiser. Fait que ça ici, ça peut prendre un petit bout. Fait que là, on va juste aller choisir des applications. Là, en choisissant les applications, vous remarquez, il n'y a pas juste Bellefibre, mais il y en a un paquet. Puis qu'est-ce qui est le fun de Bellefibre justement? C'est qu'on est les seuls quasiment à avoir une fonction à pouvoir aller chercher notre sur-demande, l'enregistrer et tout ça à partir directement de Bellefibre. Fait qu'on va cliquer sur cette application-là. Une fois qu'on clique sur cette application-là, on s'en va complètement à droite. Il y a même Spotify et tout ça. Fait que vous avez un paquet ici, tout TV, un paquet de choses. Fait que là, on va cliquer tout simplement en bas. Vous voyez, appuyer sur toujours le petit bouton dans le milieu ici. Fait qu'on appuie dessus. Bellefibre, on fait terminer pour qu'il est installé. Là, il va installer l'application comme s'il installerait une application sur un téléphone. Sauf que là, il va être installé sur votre Amazon Fire Stick. Fait que si vous regardez ici votre Fire Stick en haut, vous avez la recherche. Fait que quand vous cherchez quelque chose, mettons sur Amazon ou quoi que ce soit, ça, c'est là que vous allez le chercher. Mais ça, je referai une autre rubrique pour les gens, mettons un exemple, qui sont intéressés. Là, on s'occupe d'installer l'application Bellefibre. Fait qu'ici, on va retourner sa petite maison. Quand on est perdu, on retourne tout le temps à sa petite maison. Fait que ça nous permet là, justement de revenir à cette place-là. Fait que si je me fie en bas, on descend. C'est toujours, on descend deux coups. Fait que quand on descend deux coups, on tombe dans la ligne de vos applications. Fait que là, vous voyez ici, Twitch, Photo, Gaia, Disney. Il y a même des petits jeux. On tasse en côté à droite. Fait que là, vous allez voir ici, ça c'est toutes les applications, mettons que moi, j'ai d'installer dans mon Fire Stick. Tu sais, il y a même des petits jeux de Tetris et ça. Puis là, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est qu'on a été téléchargé. Vous allez voir, vous allez en avoir beaucoup moins, mais c'est que là, il s'est rentré sur mon compte parce que moi, j'ai d'autres Fire Stick dans la maison. Fait que le Bell TV, on clique dessus ici, tout simplement. Une fois qu'on clique sur le Bell TV, il va dire « Installation en cours ». Fait que là, il est en train d'aller le télécharger, puis il va l'amener dans le Fire Stick.
Fait qu'une fois que ça, c'est fini, on va avoir un petit peu de patience. Et voilà, là, on a le ouvrir. Fait qu'en faisant ouvrir, vous allez avoir ici, justement, l'application Bellefibre. L'application Bellefibre, c'est fantastique parce que, justement, ça fait exactement la même affaire qu'un récepteur. Fait que là, le premier coup, vous allez voir, c'est un petit peu plus long parce que c'est sûr, il faut qu'il parte le premier coup, télécharger toutes ces choses. Vous allez voir, là, tendance ici, c'est les cinq choses les plus écoutées, puis les choses qui sont les plus écoutées au Québec. Fait qu'ils vont vous les mettre directement. Moi, c'est des enregistrements qu'on a fait à la maison. Fait qu'on voit tous les enregistrements aussi. Puis regardez la facilité. On monte, on descend. Qu'est-ce qui est en vedette? Nous, on est abonnés avec Crave. On est vraiment des gens qui aiment des films et tout ça. Fait que vous avez Crave. Par exemple, si vous avez Super Écran, vous allez voir votre Super Écran aussi là-dessus, tout. Fait que si, mettons, vous descendez, gardez des émissions les plus populaires, fugueuses. Fait que tout est à partir de là. Mais n'oubliez pas une chose. Quand on tourne à gauche, c'est là qu'on s'en va chercher ce menu-là. Puis c'est là que c'est important de dire guide. Ah, vous voyez, guide, quand on appuie, puis on va à droite. Après ça, faut dire tout le temps, on retourne à la maison à gauche, on s'en va vers ce qu'on voit à droite. On tourne à la maison à gauche, on tourne à droite après ça pour aller voir nos choses. Fait que si on va ici, on va aller voir TVA, la voix. On clique tout simplement sur TVA, la voix. Et ça va vous permettre d'avoir le poste, justement, qu'on écoute. Fait que c'est aussi simple que ça. On veut revenir en arrière? On clique sur la petite flèche en arrière. Encore une fois, on veut revenir. N'oubliez pas qu'on tasse à gauche. Le sur-demande, ça, c'est tous les postes que vous avez, par exemple, avec les postes à la carte et tout ça vont être là. Fait que V, Uni, Télé-Québec, D. Fait que mettons qu'on dit, on va aller voir le sur-demande de ADIC. On va cliquer sur ADIC. Puis là, sur le ADIC, vous allez avoir toutes les choses, par exemple, qui sont sur ADIC, le sur-demande. Fait que c'est là qui est le fun parce que vous avez accès à tout ce beau contenu-là. Puis là, ici, vous allez avoir aussi de la musique, tes listes, les choses que toi, t'écoutes. Si on retourne encore une fois à gauche, on fait à gauche, les enregistrements. C'est là que tous les enregistrements, en fin de compte, que, mettons, on a fait ici à la maison, vont tous se retrouver là. Fait que vous pouvez faire des enregistrements et vous pouvez aussi voir les enregistrements, toute la même affaire comme si vous aviez votre récepteur. Parce que si vous voyez, dans le milieu, là, il y a un petit bonhomme bleu dessus mon téléviseur avec trois lumières. Ça, c'est le récepteur qui contrôle, en fin de compte, votre télévision. Mais c'est le récepteur qui contrôle l'enregistrement de tous les autres Fire Stick qui se retrouvent dans la maison. Fait que c'est aussi simple que ça. Là, il y a une petite fonction que beaucoup de monde, par exemple, savent pas comment aller enregistrer. On aurait tendance à penser que l'enregistrement se fait à partir d'enregistrer, mais c'est faux. Il faut être sur notre guide. Quand on est sur le guide, sur le Fire Stick, on tasse tout simplement à droite. Puis mettons qu'on dirait la vraie nature. Vous voyez, je suis sur la vraie nature, je vais enregistrer ça, on paye ce bouton. Puis en pesant sur le bouton, ah, là, vous voyez que vous avez ENR pour enregistrer. Fait que vous faites tout simplement ENR pour enregistrer. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vais enregistrer l'épisode. Et après ça, tu veux avoir l'épisode jusqu'à ce que l'espace soit requis. Fait que là, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire comme enregistrement. Tu fais tout simplement enregistrer. Boum! C'est fait. Moi, je ne l'enregistrerai pas parce que j'écoute pas la vraie nature. Mais comme je vous dis, c'est aussi simple que ça. Fait que, inquiétez-vous pas. T'sais, inquiétez-vous pas parce que le Fire Stick, en fin de compte, est très simple. C'est des fonctionnalités en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous pouvez même aller expérimenter. Vous allez voir qu'ici en haut, vous avez le petit bouton avec le vocal. Je vais faire une autre rubrique sur ma chaîne par rapport, par exemple, à les choses qu'on peut faire encore plus avec le Fire Stick qui va pouvoir vous aider justement à faire un paquet de choses. Fait que ça me fait plaisir de vous avoir aidé pour la rubrique du Bellefibre et je vous souhaite une belle journée. Puis n'hésitez pas de communiquer avec moi. Vous allez voir sur ma chaîne, je vais laisser mon courriel et tout ça pour que vous puissiez me demander des questions. Puis je suis toujours là et dispo. Merci. Bonne journée.